La taille de ton ego est proportionnelle à la lourdeur de tes souffrances. Bonjour, je suis Lily, votre coach holistique. J'aide les êtres en mal-être. Je soigne vos mots avec mes mots. Pour vous accompagner dans votre ouverture de conscience. Je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. C'est la meilleure des récompenses. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des drames et des souffrances que tu dois libérer. Nous avons l'habitude de réagir aux choses qui nous dérangent. Mais pourquoi utilises-tu ton énergie si précieuse à des choses inutiles? Tu utilises cette énergie à mauvais escient, au lieu de l'utiliser pour des choses meilleures. Apprends à ne pas être aimé de tout le monde, parce que c'est impossible. Tu ne peux pas forcer les autres à te traiter comme tu le voudrais. Apprends à être au-dessus du regard des autres pour ta paix et pour ta sérénité intérieure. Tu n'as plus besoin de souffrance, ni plus de drame pour ta vie. Ta tranquillité intérieure doit être ta priorité. Tu n'as plus besoin de t'imposer ou de te battre pour être accepté des autres. Apprends à ne pas donner ce pouvoir aux autres, de te déstabiliser. Ce qu'ils pensent de toi ne t'appartient pas. Ce qu'ils pensent de toi ne sera jamais qui tu es vraiment. Ton pouvoir réside dans la maîtrise de tes émotions et de tes pensées. Ton pouvoir est dans ton positionnement face aux autres. Laisse-les penser ce qu'ils veulent de toi. Tu es le seul maître de ton bonheur. Toutes ces situations se présentent à toi pour t'apprendre à te détacher et à guérir de ces blessures qui t'empêchent d'avancer. Choisis de lâcher prise pour renaître à toi et pour apprendre à t'aimer. Choisis d'être libre et laisse le passé au passé. Tu ne peux pas agir sur ce qui est déjà passé. Ta vie est maintenant, pas hier, pas demain. Ce que tu as fait hier n'est pas une erreur, c'est une expérience de vie, positive ou négative, selon ta vision. Ce que les autres t'ont fait hier dans le passé, la vie se sert des autres pour t'apprendre des leçons, pour te permettre de créer une protection intérieure, individuelle, et t'aider à te libérer de tes chaînes qui t'emprisonnent au quotidien. Choisis de te libérer de ce passé qui t'empêche d'avancer. Choisis de ne plus penser au passé qui t'empêche de vivre dans ton présent. Et toi, as-tu besoin de plus de drames dans ta vie pour te sentir exister? Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. C'est la meilleure des récompenses. Aidez-moi à faire vivre la chaîne parce que c'est pour vous. Merci de m'avoir écouté. Belle journée à vous. You. Rien que pour vous.